Communiquer, c'est exprimer ou exposer une idée, mais c'est également écouter. L'écoute active est une technique de communication qui a été développée à partir des travaux du psychologue américain Carl Rogers. C'est extrêmement utile pour créer une relation de confiance, de qualité avec son interlocuteur, lui permettre de s'exprimer clairement et s'assurer qu'on a bien compris son message. L'écoute active est très utile dans la relation manager-manager, pour les professionnels RH ou les recruteurs également, dans la relation avec le candidat, avec le collaborateur, également pour les commerciaux, dans la relation commerciale avec les clients, les fournisseurs. Il y a une utilisation très large. Pour cela, il y a différents outils, différentes attitudes à adopter. Ce n'est pas une technique très complexe, mais elle nécessite de focaliser toute notre attention sur l'autre et sur le fait d'écouter. Tout d'abord, il faut être présent physiquement, montrer son écoute par son attitude, son regard, tout simplement le fait d'avoir coupé son téléphone. Il faut aussi savoir utiliser les silences. C'est pas forcément le plus facile, ça peut être gênant, ou ça peut paraître en tout cas gênant, ou faire un peu peur. Et pourtant, c'est très utile pour que l'autre exprime pleinement ce qu'il souhaite exprimer. Utiliser les silences, c'est se retenir d'interrompre l'autre, le laisser aller jusqu'au bout, quoi qu'il dise. Écouter activement, c'est également savoir reformuler, car la reformulation implique la compréhension. Redire les choses de façon différente, plus concise, plus explicite, déjà va permettre à l'autre de voir que vous l'écoutez et que son message est bien reçu et compris. Et également, pour lui d'aller plus loin, d'approfondir, de prendre conscience ou de prendre du recul sur ce qu'il vient de vous dire. Écouter activement, c'est aussi questionner, avec des questions pertinentes, ouvertes, qui ouvrent le dialogue. Écouter activement, c'est être capable de focaliser toute notre attention sur l'autre, sur ce qu'il a à nous transmettre. Et loin d'être passive, cette écoute silencieuse est particulièrement active.